Allô tout le monde! Aujourd'hui, on est allé à la rencontre de Ariel et Arthur qui viennent de Sainte-Adèle. Ils ont fondé la ferme Les Dérangés. C'est leur deuxième année de production et c'est la seule ferme maraîchère à Sainte-Adèle. Donc, on vous amène dans leur monde. Allô, moi c'est Ariel Baudin. Et moi c'est Arthur Gagnon. On a fondé la ferme Les Dérangés à Sainte-Adèle. Bienvenue chez nous. Arthur et moi, on ne vient pas du tout du domaine agricole. Moi, j'ai étudié en sciences économiques et politiques, puis Arthur en biologie. Quoique ses connaissances en biologie sont quand même pertinentes, j'ai poursuivi le chemin après l'université. J'ai eu ma première job, puis je suis juste allée dans une voie, puis je ne me suis jamais arrêtée pour me poser la question si c'était vraiment ce que je voulais faire, est-ce que je me voyais faire ça encore 20-30 ans. Puis même si j'aimais quand même ce que je faisais, c'était pas ma vision à long terme de ce que je recherchais dans la vie. On a eu notre premier jardin communautaire il y a 8 ans, puis ça nous a un petit peu donné l'envie. Mais on n'était pas sûr de ce qu'on voulait faire. Puis après, au fil de différentes discussions, bien, on s'est dit, après 8 ans, qu'on allait se lancer dans un projet. Puis là, on a commencé un petit peu la recherche du terrain. Donc, on a passé 2 ans à rechercher des terrains. On a visité 40 propriétés. En serre, on utilise des variétés de tomates qu'on appelle indéterminées. C'est des variétés qui poussent dans les bonnes conditions, presque à l'infini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder toujours la tête principale. Donc, on va enlever les drageons, communément aussi appelés gourmands, pour laisser vraiment juste l'emphase sur la tête principale qu'on attache comme ça. Puis, rendu en haut, on déroule pour donner plus d'espace pour pouvoir continuer à toujours monter la même tige. Là. Donc, la tige qui est ici là, commence à peu près un bon 10-15 pieds avant. Après ça, il y a de l'optimisation. Là. Chaque grappe de tomate a un nombre optimal. Il y a une fertilisation à faire à chaque 3 semaines. Il y a un réglage dans les arrosages en fonction de la luminosité. Il y a énormément de détails qui peut être mis de façon à vraiment optimiser la production des plants. Je dirais comme 3 grandes questions qui sont venues un peu nous orienter dans nos choix. Là. La première, c'était avec qui on a le goût de passer le plus de temps. Puis pour nous, c'était ensemble. Donc, ouais, bâtir une entreprise familiale, ça a vraiment été quelque chose qui est arrivé vite dans notre couple comme une idée de qu'est-ce qu'on aimerait dans le futur. Où est-ce qu'on aimerait travailler? Ben dehors, proche de la nature, quelque chose qui est rythmé de manière peut-être plus saine que des fois le chaos qui peut venir dans la ville, dans notre société de performance, etc. Puis, quelles sont les valeurs qu'on aimerait que notre travail évoque, t'sais, donc des valeurs plus écologiques, sociales, communautaires, des choses qui je pense, nous parlaient tous les deux puis dans lesquelles on trouvait un sens vraiment dans ce qu'on faisait. On est tombé sur cette propriété-là en 2018, justement, qui a été notre premier comme coup de cœur. On se voyait vraiment bien vivre ici parce qu'en fait, nous, on voulait partir un projet, mais on cherchait plus un espace de vie dans lequel on était capable de faire notre projet qu'un espace pour une ferme dans lequel on serait capable de faire une vie. T'sais, on aime le fait qu'on soit en proximité. T'sais, on a une fille d'école secondaire, il y a un cinéma. Il y a beaucoup d'aspects culturels et sociaux qui correspondaient aussi à ce qu'on recherchait comme milieu de vie. Par moments, il y a des moments de petit découragement, d'épuisement, de comme « on s'en est vraiment mis beaucoup ». Mais après ça, on se ramène un peu à comme la vision, puis aussi réécouter les commentaires positifs des gens, puis tout ça. Puis on se remotive, puis de toute façon, demain est là, demain.